Mission 1 terminée, on passe à la mission 2. Allez, c'est parti. Débuter, hein. Une cible high-tech à Vancouver. Je t'attends, hein. Tu dois aussi cliquer. En attente de votre partenaire. Ah, moi aussi, j'ai en attente de votre partenaire. Annulé. Tu as refait mission 1 peut-être? Non, il faut faire mission 2, hein. Mission 2, hein. Bah, je sais pas. Ah, voilà. Oh, d'accord. C'était juste la synchro qui devait se faire. Bonjour les agents. Un mystérieux tueur à gages virtuel cause des ravages sur le réseau mondial. Selon nous, il utilise une micropuce intégrée aux lunettes intelligentes. Il est pas mal le système du gameplay là. De ses victimes, ouais. Bloquant ainsi l'accès à leur vie. Comme ces micropuces sont très sécurisées, il doit s'agir d'une affaire interne. Notre premier suspect est Nimbus Web Optics, le fabricant des lunettes intelligentes les plus populaires au monde. Ce soir, lorsque le bâtiment sera vide, vous infiltrerez Nimbus et son réseau. Votre mission est d'accéder au serveur central et d'en extraire les documents techniques de la micropuce. Bon courage. Ok. Bien, vous Parti. êtes dans le hall. Ouais. Trouvez maintenant un moyen d'obtenir l'accès au reste du bâtiment. Ok, donc je suis dans le hall. Obtenez l'accès. CLS 360 degrés performance. Obtenez les meilleures superpositions. Réalité augmentée pour améliorer votre expérience sociale. Je m'en fous. Alors, t'es où là? T'as Je suis l'ascenseur? dans Oh. le hall. Étage 2, Appuyez étage sur eux 3. pour activer. Your augmented reality interaction. Attends, je parle à une IA là. Prendre rendez-vous, j'ai une question, non, au revoir. Let me know if you need anything. Ok, j'ai un hologramme qui essaie de me parler. Nimbus Web Cherche. Optics est honoré d'avoir reçu le prix 2033, blablabla, on s'en tape. Je vois. Nous sommes désolés, mais votre identifiant virtuel n'est pas autorisé dans cette zone. Ah, il me faut un identifiant virtuel. Good morning, no ID error. Piratage I am caméra, ok. Aria, Donnez your l'accès au reste augmented du bâtiment à reality votre interactive partenaire. assistant. Alors, je How voudrais voir may un I help you représentant today? des ventes. I'm sorry. Je suis désolé, je ne peux pas lire votre ID. Veuillez contacter un How may I help you today? technicien. J'ai une I'm question. sorry. Non, I'm sorry. ok, donc il me faut un ID. I'm sorry. Je peux rien faire. Let me Elle know dit if you need qu'elle ne me reconnaît pas, anything. donc faut que tu trouves un moyen de me donner un ID. Communication entrant du partenaire, très bien. Nouveau profil, Jay Eun Park, agent du centre d'appel. Est-ce que tu es sûr que c'est le... Bon, enfin, on va essayer. Hein. Bien, dirigez-vous maintenant vers la salle du serveur central. Ok, c'est bon. Alors, j'ai serveur d'unité centrale et centre d'appel. Bien Ah oui, il faut que entendu, tu aies un accès. comme j'ai un accès centre d'appel, je peux aller qu'au centre d'appel. Alors attends. Accès employé. Good morning, Jaehoon. Qui c'est que j'ai I'm surprised to see you ready for work so early today. Your dedication is appreciated. là-dedans? D'accord. Je vois Attends, pas qui. j'ai l'IA qui m'a parlé là, qui m'a dit bonjour. Non, il n'y a rien par ici. La salle de repos. Ah, là-bas. Alors, voici votre poste de travail pour aujourd'hui. Ok, appuyez sur E pour activer. Déjà, je peux pas trop donner d'autres ID. Ok, mes objectifs. Objectif du jour, blablabla, on s'en fout. Voir les archives. Appels commerciaux. Alors, j'ai 4 appels commerciaux. Stéphane Lablan, Edward Jones, Murray Palace et Trisha Rogan. Je sais pas, attends, voir les archives, blablabla.
Bon, les ventes, c'est pas ça, hein. Trouvez votre chemin vers la salle du serveur central. Je vois pas ce que je dois faire. Information du système, comme ça tu pourras t'y connecter. Oui. Donc, tu as besoin de quoi? Idée du serveur, idée de la machine virtuelle? Service internet, attends, je vais voir. Idée d'accès? Service d'entretien, service rendez-vous, panneau d'affichage. Parce que j'ai plusieurs étages 1, sous-sol, étage 2 verrouillé, étage 3, j'ai quoi? Entrée code d'accès. Pour l'étage 3. Je suis à l'étage 0 là, hein, ou l'étage 1 plutôt. Ouais. J'ai soit accès employé, caméra de surveillance ou. Accès employé, interne. Accès employé. Accès employé, c'est toutes les cartes avec les ID, frère. D'accord. Donc tu as les caméras de surveillance, c'est quoi le troisième? Le troisième. Service internet. Bah, service internet, essaye. Hein. Bah, j'ai rendez-vous et panneau d'affichage. Regarde les rendez-vous peut-être. Rendez-vous interne, base de données de rendez-vous, idée de poste de travail. Ah, idée du poste de travail. Attends, ça je peux l'avoir ici. 0 alors 011-434. 3 4 4 3 4 4 3 4. Modifier la base de données. C'est bon, c'est passé. Voilà, donc tu as normalement accès à ma machine. Ouais, J.N. Park. C'est ça. Rendez-vous avec choisir un service. J'ai comptabilité, ingénierie, ressources humaines, services d'entretien, juridique, marketing, achat et centre technologique. Alors, tu peux répéter parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, service comptabilité. Comptabilité, oui. Ingénierie. Ouais. Ressources humaines. Ouais. Service d'entretien. Ouais. Juridique. Marketing. Achat et centre technologique. voilà. Attends, ça c'est quoi? C'est pour quitter, j'imagine. Ouais, c'est les rendez-vous internes à 11h, Dorian Elmer a rendez-vous avec le juridique. À 13h45, Alejandra Gomez, rendez-vous avec les attends, achats. Attends, il est quelle heure? Il est 5h10. Donc, si tu sais mettre un. Ou 17h10. Non, 5h10. Parce qu'ils m'ont dit bonjour, vous êtes bientôt ce matin. Donc, il est 5h10 du matin. Ok, et à 14h30, t'as Nadia Fedorov. Essaye de rajouter un nouveau rendez-vous à 5h, à 5h30, disons, si c'est possible. 5h30 ou 6h. Hein, Avec quel service? Faut que t'ailles dans quel service, là? Mais, attends. Un service qui est au premier étage, je sais pas. Ou alors, un qui peut me faire monter, mais... non... attends, hein, je regarde un peu les services. Centre technologique. Centre technologique. Donc, il faut que tu me donnes un rendez-vous pour le centre technologique. Et si tu sais pas faire pour moi, bah, tu vas devoir me donner une nouvelle identité après. 5h30, hein. Tu m'as dit. Oui, 5h30, 6h. Confirmé. Nouveau rendez-vous. Rendez-vous 5h30. Ok. Suite. Attends, je vérifie. Non. Ok, évaluation du client 3.9. Les crédits, je m'en fous. Ok, je quitte mon poste de travail. Et je vais voir si j'ai accès. Hein, il est 5h12. Donc, au pire, il faut qu'on attende un quart d'heure. Mais, ah non, c'est bon, c'est ouvert. Bonne étage 1. Continuez de chercher la salle du serveur central.
Alors, j'ai une porte, un ascenseur pour spectrométrie, un ascenseur pour stockage électronique. Enfin, je sais pas si ce sont des ascenseurs, hein, mais un pour radiométrie et un pour analyse des images. T'en as un ouvert là. Et il faut que j'aille à l'étage 3 pour les serveurs de l'unité centrale. J'en Faut ai que un t'ailles où là, le ouvert. serveur de l'unité centrale? Comment? Faut que t'ailles au serveur d'unité centrale. Oui, mais pour l'instant, appuyez sur E pour activer. Étage 3, refusé. Étage 2, refusé. Étage 1, c'est là où je suis et c'est refusé. Attends, je l'ai là. Attends. Service interne, accès employé. Il est où l'ascenseur? Ascenseur. Oui, 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 oui. Numéro de série. T'as De quoi quoi? comme De numéro de série? l'ascenseur? Attends, oui, je Ouais. l'avais, je l'avais, je l'avais. Alors, numéro de série JDUASUYD. Ouais, ils sont tous comme ça. Alors, 77, 38, 40, 462. Et ça finit par... Et ça... 462 AH21. AH21, c'est ça. Accéder. Et tu dois aller à l'étage 3? Étage 3. Étage 3. C'est bon, je suis à l'étage 3. Profilométrie, labo recherche et développement, serveur de l'unité centrale. Étage 3, entrée code d'accès. Attends, c'est quoi ça? Appuie sur E pour pirater. J'ai un appareil que je peux pirater. Hop. Nom du réseau, Nimbus E3 sécurité. Code d'accès 8535. C'est bon, j'accède à l'étage 3. Jusqu'ici, tout va bien. Mais attention, je remarque une surveillance accrue. Ok, il y a des drones Ok. qui surveillent. Je les vois, il y a Réseau des caméras de central sécurité. et R&D. Réseau Donc, central qui attends, surveille. Adresse. Entrée l'adresse IP. j'ai R&D et Alors, réseau serveur de central, il l'unité faut l'adresse centrale qui est IP. derrière le R&D. Nous sommes désolés, Réseau mais vous n'avez central. pas accès à cette zone. R&D, il y a quoi dans R&D? Équipement, données de sécurité. Je vois les drones. Et profilométrie, j'ai pas accès non plus. Ah, ok, toi, t'es dans l'accueil là. Je suis à l'accueil, oui. Ok, là, je peux t'ouvrir la porte. Et en gros, j'ai la map de là où il y a les. Enfin, je vois les Tu drones. vois les drones, d'accord. Et je vois la porte de sortie. Donc, en gros, il va falloir que je te guide. D'accord. Et je peux t'ouvrir la porte d'ici. Bon, le drone m'a vu à D'accord. travers la porte. Ah, d'accord, ok. Bien. Dirigez-vous maintenant vers la Ok, salle du donc serveur je peux central. pas me montrer tant que le drone n'est pas... Alors, attends. Il fait sa ronde. Dès que j'ouvre la porte, t'y vas. Ouais. Où Voilà. ça? Tu À vas gauche? directement à droite. À Droite. droite? À gauche. Alors, je Drone. vais voir par quoi. Drone. Et tu vois le drone, en fait, là, je te fais aller dans le sens du drone, en fait. Il est Bah oui, dans ce que mais... tu vas. Euh, Bien. peut-être trop vite, quoi. Il faut Dirigez-vous attendre maintenant que... vers la salle du Tu serveur dois me dire central. quand le drone n'est plus là, en fait. Parce qu'il voit autant derrière que devant. Voilà, vas-y. Va à la pièce d'à côté. Vas-y, va du coup à gauche. Va au fond de la Au pièce. fond. Drone! Ah, il te voit. Ça va être. Comment on va passer là? Bah, je suis obligé de faire le tour sans me montrer derrière la porte, quoi. C'est tout. Vas-y. Quand tu veux. Ah non, je sais. Attends. Maintenant. Bah, ouvre. Va dans la pièce à côté. Ah non, tu vas te faire choper là, c'est obligé. Ouais. Donc là, je suis obligé d'aller à gauche. Je dois Donc du faire coup, droite, droite, gauche, gauche. quand je t'ouvre la porte, tu vas tout droit. Tout droit? Bon. Ouais, il va falloir que tu ailles tout droit, D'accord. et direct en face. Il va falloir aller très vite. Ben, je peux sprinter, hein, y a pas de problème, mais préviens-moi Go! si je vais trop vite ou pas. Stop, tu restes dans la pièce. Là? Ah, merde! On va y arriver, on va y arriver. Oui. C'est juste une question de timing, il faut que tu me préviennes avant. Go! Tu restes dans la pièce, tu te caches. Go, vas-y vite. Passe en face. Ah oui, d'accord, non, mais je pensais que quand tu me disais que tu restes dans la pièce, j'étais encore dans la première, donc... Alors attends 2 secondes. Donc tout de suite dans la deuxième pièce? Dès que je t'ouvre, tu vas tout de suite dans la deuxième Ouais, pièce, tu vas-y. traces. Faut pas s'arrêter. Ça va. Au Mais moment où je il y a t'ouvre, des faut pas meubles, hein. s'arrêter. Il y a des meubles.
C'est ça le problème. Oh, vas-y, cours, 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 cours. Ouais, je sprint, je sprint. Et tu vas en face. Non, ah, non, je peux pas, c'est trop... C'est pas assez rapide. Donc, je suis obligé de faire droite, gauche, gauche, pour aller dans le sens du drone. Ah, ouais. Ouais, carrément. Et après, ben, je sais pas. C'est parti. Donc, droite. Là, il y avait le drone. Attends. Vas-y. Attends. Vas-y. Va direct à gauche. Et va tout droit. Va du coup droite. Si tu files tout droit, c'est bon. Non, tu l'es là. Tu vas aller dans l'unité. Ah purée. Mais je savais pas si c'était là ou s'il fallait encore faire une porte. Si, si, il fallait encore aller tout droit. D'accord. Mais non, mais tout droit. Oui, mais après le tout. Enfin. Quand t'arrives à l'avant-dernière pièce. D'accord. Tu vois là où tu t'es fait choper. Ouais, ouais. Et ben t'avais la porte en face encore. Mais je savais pas si j'étais là en bonne salle ou s'il fallait que je traverse encore une porte. C'est ça le truc. Okay. C'est parti. Attends. Okay. Vas-y. Attends. Vas-y. Direct dans la deuxième pièce. Voilà. Trace. Troisième. Va à la quatrième et vas tout droit. Ouf. C'est bon? J'y suis. Allez, on crochette une serrure. Du coup, faut que je trouve le... Outil virtuel de crochetage de serrure connecté. Vas-y, c'est pour toi. Accepté. On attend de l'aide du partenaire. Alors, j'ai trois verrous. Ouais. Ah bah, je vois ton pointeur en plus. Ah, d'accord. Ah, on doit faire en même temps, d'accord. On peut tirer ça et pendant ce temps... Tire, vas-y. Attention, pas toucher, hein. Il faut que je maintienne. Ouais. Vas-y. C'est bon. Premier verrou, c'est fait. Deuxième. Quoi? Attends. C'est à moi de le tirer. Ah, c'est à toi de tirer, d'accord. Attends, deux secondes. Dépêche. Parfait. Très bien. Ok, il y a de tout. Attends, tire d'abord celui-là, comme ça lui peut le bloquer. Vas-y. Voilà, très bien. C'est prêt. Non, ça va pas le faire. Tire le deuxième. Si, ça va, c'est lent. Vas-y. Vas-y, tire le deuxième. Voilà, faut faire les deux en même temps. Ouais, mais ils sont lents à revenir, donc ça va. Ok, c'est bon. Du coup, voilà. Serveur protégé. Maintenant, aidez votre partenaire à chercher le dossier de la micropuce. Alors, console d'unité centrale. Une adresse IP pour le réseau central. Eh ben, une adresse IP. Alors, 160. 160. 181. Alors, oui. 160. 180. 180. 122. 222. 231. C'est bon, ça se connecte. Ouvrez une backdoor. Voilà. Partenaire accédant à l'unité centrale en cours. Système de sécurité par feu désactivé. Très bien. Ou en tout cas, donc, être demandé pour où. Wow. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Attends. Résultat d'un des sous-types de pare-feu. Pare-feu. État du pare-feu désactivé. Désactivé. Mince. J'ai deux tentatives sur trois. Ah, d'accord. Oh. Alors, j'ai des symboles. Alors, le symbole, c'est un rond, comme un soleil. Ouais. Avec une barre au milieu qui le transperce. Et un demi-cercle sur son côté droit. Juste un demi-cercle. Ouais. D'accord, il faut que je le trouve, hein, parce que... Pas comme un soleil, genre, c'est pas des triangles, c'est des petits traits, par contre, tu vois. Oui, d'accord. D'accord. Ça va être le dernier. Divisé au centre.
Avec les petits traits sur le côté et le demi-cercle au centre. Enfin, au milieu du centre. Du demi-cercle. Ah oui, attends, je crois que je l'ai vu. Ça va être celui-là. Ah ben non, je me suis trompé. Bon, j'ai fait deux essais dans le vent, hein, donc... Plaisir. Maintenant, aidez votre Allez, on partenaire. recommence. Adresse IP. Pas J'imagine. droit, pas besoin de l'adresse IP, non, ça Pas c'était pour besoin? pirater. Ah Vas-y, oui, le arrive au pare-feu pare-feu. est... Bon, alors, le pare-feu, il te dit quoi, là? Analyse. J'analyse le pare-feu. Il te dit quoi? Attends. Parce que j'ai plein de bêtes serveurs. Là, j'ai 3... Oh, elle est encore plus 9, compliquée. 12... Il est encore plus compliqué que tout à l'heure. J'ai Alors, en 18, gros, 18 symboles différents, donc vas-y. t'as un trait central. Oui, ça toujours. Il va de haut en bas. Toujours. J'ai un rond central qui est complet. T'as un rond central qui est complet. Attends, je. Un rond, un cercle, Oui, on va dire. donc à gauche ou à droite? Voilà. Et par-dessus, j'ai un nouveau cercle avec sur la gauche des petits traits, sur la droite des espèces de polygones. Espèce. Attends, on va faire que le côté gauche pour être certain. Donc le côté Ah, parce que là, gauche. c'est important. Comment? Le côté gauche, c'est un soleil, on va dire. C'est Un un soleil soleil avec des triangles ou des barres? avec des barres. Avec des barres. Ok. Au centre, Les barres sont rapprochées ou sont éloignées? il y a trois barres, Oui, genre. il y a trois barres, mais elles sont elles... Enfin, quoi que non, Elles les sont barres. pareilles. Non, non, les barres, c'est bon. C'est pour les triangles où il y a des Voilà. différents. À l'intérieur, tu as un autre demi-cercle. À l'intérieur, Tu as tu un as autre un cercle. autre demi-cercle. D'accord, attends. Tu vois. Toujours à gauche, Et hein. ensuite, sur la droite, Là, parce que ouais. pareil, Ouais. tu as ton demi-cercle. T'as ton demi-cercle à l'intérieur. Et le cercle, au lieu d'avoir les traits Et au-dessus, ça fait un espèce. et ça fait un genre de rouage pour Ça fait un genre de l'extérieur. rouage, voilà. Ok, c'est celui-là alors. Confirmation, ce pare-feu bloque actuellement la demande de connexion d'un utilisateur inconnu. Êtes-vous sûr que cette désactivation est sans risque? Oui, c'est bon. Continuez. Parfait. Alors, pare-feu, c'est bon. Aucune menace détectée. Hop, ça s'allume. Antivirus. Ok, j'ai une baie d'antivirus. Quarantaine antivirus. Élément suspect, ça doit être toi, j'imagine. Qu'est-ce que tu sais Pour faire? entrer, j'ai deux portails. J'ai un portail à droite et un portail à gauche. Ouais. Tu as un portail à droite et Entrée. un portail à gauche. Alors Alors, j'ai pris celui de gauche. d'accord, donc c'est tu vas vers à la droite plutôt. Alors, hein, c'était l'autre côté qu'il fallait aller. Vas-y, encore. Attends, bah là du coup. Tout droit quoi, hein, tout droit. Non. Non, pas bon. Non. Donc, je sais pas si tu vois en 3D ou en 2D. Donc Bah, je là, vois un monde tu vide. prends l'autre porte. La porte qui était en face de celle que tu viens de prendre. L'autre passage, voilà. Ici, tu prends pas celle qui est devant toi, tu prends celle qui est à ta gauche. J'en ai une derrière ou une à ma droite quand je suis arrivé. Bon, à ta droite, allez, mais je sais pas par où tu regardes, c'est ça. C'est par Moi, je dis par rapport à là où t'es arrivé. Donc là, t'as qu'une seule porte, autre que celle que tu viens de prendre, hein. Tu vas tout droit. J'ai une bleue et une blanche en fait derrière moi. Ah. Prends la Bah si je blanche. veux la taper quoi. Prends la blanche. Ah oui, d'accord, donc c'est... Oui, d'accord. Prends la blanche. J'en ai trois blanches. Aïe. Donc, quand tu regardes la bleue Voilà, devant toi, bleu. la bleue devant toi, non, oui, ça marche aussi. La bleue, non, tu prends pas la bleue. Je sais pas si tu vois la bleue. Ouais, c'est un portail fermé en gros, C'est un la bleue, portail c'est un fermé. mur. Derrière, de l'autre côté de la bleue. Donc derrière moi. Derrière toi, quand tu regardes la bleue. Ouais. Ben, c'est celle-là. Quand tu regardes la bleue, c'est à la gauche. Maintenant. Non. Ah mince, non, c'est à la droite. Merde. Derrière toi. Donc, quand tu regardes la bleue, c'est derrière toi. Et quand tu regardes la bleue, c'est à ta droite. Voilà, c'est bon.
moi j'ai aucun repère, frère, là-dedans. Oui, je sais bien, mais... Aide demandée, Sentinelle AI. Qu'est-ce qui se passe là, je vois un Alors, laser. Le système Sentinelle AI utilise l'apprentissage automatique pour identifier les virus, les logiciels malveillants et les composants de piratage. Il trouve des moyens de neutraliser les intrus sans risque pour votre réseau. Alors, type de Sentinelle AI, c'est un triangle avec un triangle à l'intérieur, un autre triangle. Un triangle avec un triangle à l'intérieur. Et un cercle. Entouré d'un cercle. Ok, voilà. Voilà. Alors ensuite. Encore un autre symbole là, non ? Ouais. Alors, c'est un triangle à l'intérieur d'un cercle et il y a deux petits demi-cercles. Ouais, je l'ai vu. Voilà. J'en ai que 6, hein, donc ça va. Et ils sont tous visibles sur le même écran, donc je vais pas chercher. 3, 2, 1. Terminé. C'est joli. Il y a plein de fichiers. Hop. Mais genre, la matérialisation du truc, c'est joli, c'est magnifique. Sous-sol sorti. Cliquez pour interagir. Copieur de fichiers, micropuce zip scan. C'est une centrale. Analyse des fichiers, donc je vois ce que tu fais, mais copie des fichiers, très bien, fichier copié avec succès. Transfert du dossier de la micropuce, confirmé. Finissons-en. Partenaire en attente d'extraction. Non. Hop. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Connexion à distance encore ouverte, risque pour la sécurité, d'accord ? Extraction. Oh non, on nous a repérés. Merde. Vite, tirez-vous de là. Alors t'as l'étage 3 ? Ouais, sous-sol sorti, je voudrais. Va à l'ascenseur. Voilà, appuyez sur E pour activer. Du coup... Je descends. Tu descends ? Tu vas aller au sous-sol là ? Ouais. Caméra de surveillance. Sous-sol. C'est bon, j'y arrive. Ok, je te vois dans l'ascenseur. Ouais, voilà. Alors attends. Ouh putain. Ouais. C'est à toi de la désactiver, j'imagine. Prends le manuel. Vas-y, tu peux passer. C'est bon, elle est verte. Alors, je vois une porte avec deux verrous. Ici, appuyez sur E pour activer. Le plugin ELV est destiné aux techniciens effectuant le manuel. On s'en fout. Très bien. Alors, je vois les câbles. Voilà, relais électrique. J'ai un relais électrique qui vient et un autre relais électrique là, d'accord. Je sais pas ce que je dois faire avec. Bonne question. Donc j'ai deux relais électriques, je vois les câbles à travers le mur qui vont vers les verrous. Alors est-ce que je peux... À mon avis, j'ai un truc à faire avec la tourelle. Ah oui, oui, oui. Je dois peut-être te guider... Attends, vas-y, viens. Non. Ça là. Tourne. Oui, stop. Plus bas. Tire. Un peu plus haut. Bravo. Vas-y, tourne. Tu me vois là en fait. Va-dessus, ouais. Va-dessus. Ah, ici, mais en haut. Au-dessus de moi, sur le mur. Ouais. Plus haut, plus, beaucoup plus haut. Encore. Encore un tout petit peu. Voilà, très bien. Parfait. Et on est sorti. Bien joué. Très bien tout ça. Mission complète.